c'est dans les montagnes Furianinke qu'avaient rendez-vous les coureurs insulaires ce dimanche. Ils étaient près de 400 à s'élancer depuis le village de Furiani, au programme 3 boucles différentes de 11 à 33 km, avec malgré le temps capricieux donc beaucoup d'engagés pour une discipline qui ne cesse de croître et de séduire de nouveaux adeptes. Il y a un engouement aujourd'hui pour la course à pied et le trail en général. Bah, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les différents formats, ça va de 11 km à des ultras. En fait, il y en a pour tout le monde, donc c'est ouvert à beaucoup de gens. En fait. Et les organisateurs ont bénéficié d'un beau plateau avec le gratin des coureurs insulaires, parmi lesquels Guillaume Perretti, le Cortenay, un temps détenteur du record du GR20. Il s'était engagé à venir, il a tenu parole et s'impose sur la boucle de 21 km. Il y a beaucoup de courses encore, il faut essayer de pérenniser. Alors tous les ans, c'est pas évident, mais j'essaie d'alterner un peu tout alors, le monde. Arrivée, donc. Sinon, voilà, l'évolution, bah ouais, on voit, il y a des chemins, il y a des single tracks, il y a de la montée, il y a de la descente, il y a un peu de route pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et c'est très bien, donc voilà. C'est terrain pas trop difficile avec ce temps. Bah, je m'en suis pris une, à force de vouloir attaquer. J'ai trébuché, bon, rien de méchant. Sur un terrain technique, donc rendu difficile par la boue, les 33 km ont donné du fil à retordre aux coureurs. Du col de Teddy, mais en passant par les crêtes pour rejoindre le Tsoukarel au-dessus de Bigouglia, c'est Lambert Santelli qui a su le mieux s'adapter. Il franchit la ligne en 2h58. Arrivée de Lambert Santelli, bravo! C'est vraiment un très beau parcours roulant, il faut courir tout le long. C'est pour ceux qui sont plus habitués à de la montagne, à crapauder, c'est moins évident, mais moi ça me va bien. Quelques jours après le trail d'Enivert, celui de Furiani sonne comme le deuxième grand rendez-vous d'une saison qui s'annonce très chargée.